Géraldine, on devra passer à travers deux journées un peu plus grises là, avant le retour du beau temps pour le week-end. Effectivement, la grisaille qui va s'installer pour la majeure partie du Québec, soit environ la moitié, ça va être très clair qu'on va vous montrer la carte à l'écran. Tout ce qui va être à droite, en fait, à partir de la ville de Québec, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, bas -Saint Saguenay -Lac -Saint Basse côte nord la Côte-Nord, péninsule gaspésienne aussi. Aujourd'hui, vous allez profiter d'une belle journée ensoleillée. Pas de pluie grâce à une crête atmosphérique, en fait, qui va repousser cette dépression, qui va faire son entrée, d'ailleurs, dès ce matin dans l'ouest du Québec. Éventuellement, elle va balayer une bonne partie de la province, va se déplacer vers le Grand Montréal en fin d'avant-midi, mi-journée, toujours difficile de dire exactement à quel moment ça va tomber et finalement ça va se déplacer vers le centre de la province, mais la dépression va vraiment perdre en énergie, c'est-à-dire qu'on va euh, n'aura pas de précipitation pour la ville de Québec. Par contre, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, vous aurez des précipitations ce soir, la nuit prochaine et demain, la grisaille s'installe par chez vous regardez ce qui nous attend à plus long terme Montréal demain des petits restants ça va surtout tomber cet après-midi ce soir la nuit prochaine demain on parle de bruine par intermittence quelques précipitations et un beau dégagement pour la fin de semaine la vallée en fait du Saint-Laurent sera épargnée des risques de pluie tout au long du week-end demain Québec 60% de risque de pluie un risque donc ça veut pas dire que ça va tomber sans interruption alors que la pluie va être un peu plus soutenue entre la Bitibi et le Saguenay Lac Saint-Jean dégagement finalement pour terminer la fin de semaine et tout ce qui est à à l'extrême de la province, Il va profiter vraiment non seulement aujourd'hui d'une belle journée, mais demain aussi, samedi, dimanche, plein soleil, vous repoussez cette instabilité. Donc les secteurs plus au nord du Québec vont égoutter jusqu'à samedi soir. Merci beaucoup, Géraldine. À tantôt.